sais, tu connais quelqu'un, un jeune homme avec qui tu avais travaillé, hein? Que tu avais travaillé, oui. On l'appelait Moussa. Oui. Hein? C'est un professeur. C'est un professeur. C'était où? À la clinique Saint-Dé. On l'appelait comment? Moussa. Je vous dis quelque chose dimanche. J'ai vu une fille qu'on appelait Marguerite. I saw a girl called Marguerite. J'ai vu une dame qu'on appelait Marguerite. Mm-hmm. Et cette Marguerite était comme une amie à vous, comme she une copine like à vous. Yours. Ça fait un certain nombre de temps. It's a certain number of time. Et cette jeune fille and this young girl vous a eu. Vous comprenez? Cette jeune fille vous a eu. Il y a deux femmes dans votre vie qui vous ont fait du mal. Il y a Marguerite et Sita. Hein? Marguerite et Sita. Sita est où? Sita, c'est une amie de ma maman. Ok, ça vous regarde. Dieu va vous délivrer. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait comme Papi. Qui était trop amoureux de vous. Hein? That was so in love. Il est où maintenant? Il est là, non, c'est séparé. On l'appelle comment? Papi. Vous l'aimez encore? J'ai vu une jeune fille qu'on appelait Vanessa. Elle est où? Avancez, mettez-vous à côté d'elle. Mettez-vous à côté d'elle. Mettez-vous à côté d'elle. À côté. Votre nom, c'est quoi? Vanessa. Vous êtes qui pour elle? C'est votre grande soeur là-bas. Ok. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Bertrand. Hein? Oui, Bertrand, c'est qui? C'est un ami. C'est votre ami, n'est-ce pas? Oui, papa. Il faut aussi la moto. Oui, à la barrière. Oui. Ton prénom, c'est quoi? Papa, mon cocotte. Edmond. Ton prénom. Edmond. Vous avez suivi le prénom là? Je vais faire d'un. Ça fait longtemps. Hein? Oui, papa. Il y a un jeune homme qu'on appelait Edmond. Qui est aussi un Ben Skinner à l'époque. Avec qui vous avez travaillé. With whom you work. Hein? Oui, mais qui était un garçon maléfique. But that was an evil boy. Qui était un garçon très dangereux. Hein? Very dangerous. Qui on racontait parmi les Ben Skinner qui travaillaient avec le remède. Edmond. Et ce jeune homme. Que Dieu vous délivre de toute imprécation qu'il a faite contre vous. Amen. Le Dieu des cieux, the God of heaven, vous avez tellement prié. You've prayed so et je vous ai vu pleurer. And I saw, vous, je vous ai vu pleurer. Tellement, mon Père. Vous avez pleuré. J'avais beaucoup souffert. L'Esprit de Dieu m'a ramené quelque part dans un quartier où vous habitiez. Pour arriver dans votre maison, là-bas, il fallait descendre. Mais c'était une chambre. Et dans la chambre, dans cette chambre, quelque chose s'est passé. Vous ne connaissez pas ça. C'est pour ça que l'Esprit de la prophétie est là pour nous aider. Amen. Donc, j'ai vu, on descend la route non goudronnée. Quand il pleut, c'est dangereux. On descend et on arrive. C'est vrai, mon père, c'est vrai. Hein? C'est vrai. D'accord. C'est vrai, papa. C'est vrai, mon père. Et... à l'époque, salué. Quand l'Esprit de Dieu m'a amené là-bas, je vous ai vu, il y avait la moto. Hein? J'ai vu une moto Sanili. Ça, c'est facile. J'ai vu une moto Sanili, bleu. Hein? Je ne sais pas, bleu. C'est ça? C'est ça. D'accord, on laisse ça de côté. Ça, c'est la chose la plus facile. Je suis entré dans votre chambre. Quand je suis entré à l'époque dans la chambre, j'ai vu votre lit. Il y avait un lit en bois. Il y avait un petit lit en bois. Ok, d'accord. C'est ça, mon frère. Oui, avec des draps. À l'époque, si vous aviez quatre, il y avait quatre draps à la maison. C'est ça? C'est ça. Il y avait quatre draps. Un drap bleu, fleuri. Un drap tout blanc. Un drap comme le rose. C'est ma fille qui maîtrise les couleurs. Hein. Un comme le rose. Un autre bleu encore. Ça faisait quatre draps. Et donc, je suis arrivé chez vous. Je suis entré, j'ai vu le sol. J'ai vu un Gerflex au sol. Et j'ai vu un Gerflex de couleur bleue au sol. C'est votre chambre? D'accord. Et quand je suis entré dans la chambre, j'ai regardé ici. J'ai vu deux seaux. Hein? J'ai vu deux seaux. Ce qui m'intéresse, c'est les deux seaux aussi qui avaient de l'eau à l'intérieur. Un seau bleu et un seau rouge. C'est ça, maman? D'accord. Maintenant, dans cette chambre-là, avec une petite véranda, avec la serpillière que vous laissez toujours à la porte, à l'entrée. Hein? C'est ça, mon père. À la porte, avec le rideau blanc. À la porte. Rideau blanc. C'est vrai, papa. Un rideau blanc avec comme des frises. Hein? Des frises. Donc, si on met la tête sur le rideau, comme ça, on voit l'intérieur. C'est vrai, mon père.
j'avais aussi les myomes. J'avais deux grosses myomes. Et je suis allée aussi faire l'échographie pour savoir si les myomes sont aussi partis. J'arrive là-bas, le premier échographie déclare que je n'ai plus de myome, mais un kyste. Et quand je vais avec ça chez le docteur me dit que non, il veut m'envoyer là où il connaît. Là, je suis encore partie et faire le deuxième. On déclare qu'il reste un myome, un gros et 8 kystes. Et je sais que le Dieu qui a... Un myome est quoi? Et 8 kystes. 8 kystes. L'autre laboratoire dit quoi? L'autre a dit qu'il y avait seulement un seul kyste. Confusion des laboratoires. Maintenant, vous croyez à quoi? Vous avez ramené chez le docteur? Vous avez ramené ça chez le docteur? Pas encore. Là, j'ai ramené... Je n'ai pas un menteur. J'aurais aimé qu'elle ramène cela au docteur pour que nous sucions ce que le docteur a dit. Bon. Le premier, j'ai amené et le docteur m'a dit que, il m'a dit que tu te soignes où? J'ai dit que c'est la prière. Oui. Et c'est la prière, je persévère chez mon père, le prophète de Cali. Il me dit que va faire le deuxième. Si ça sort encore la même chose, je vais accepter ton Dieu là et je vais témoigner. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ok. C'est qu'on va faire simple. Vous allez retourner chez le docteur. Vous le présentez. D'abord. Premier et le deuxième. Je vais d'abord écouter son interprétation en tant que docteur. Ça veut dire qu'un laboratoire dit qu'il y a un, l'autre a dit qu'il y a un plus 8. On comprend quoi? Je vais savoir ce que le docteur lui-même, comment il va réagir. Quand c'est fini, vous reviendrez ici dimanche prochain, nous raconter ce qui s'est passé avec votre médecin. Et là, je vais prier. Je ne mets pas la main sur vous maintenant. Non, je ne veux pas une délivrance sans que le docteur ne nous ait dit ce qu'il pense des résultats des deux laboratoires en tant que docteur. Maintenant, quand elle revient dimanche prochain, nous allons prier ensemble que Dieu intervienne. Elle refait l'examen dans les deux laboratoires, elle vient encore avec les tests. Et elle remet ça chez le docteur. Et vous lui dites, dès que les examens la sortent et que la main de Dieu aura agi, vous lui dites que votre prophète a dit que le pari, il doit respecter le pari, qu'il doit venir ici à l'église. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Je viens ce matin faire honte une fois à Satan. C'était le témoignage de dimanche passé. Je suis retournée avec le deuxième échographie comme le prophète me l'avait demandé chez le docteur. Quand il a vu le deuxième échographie, il m'a regardé. Il m'a encore demandé tous les autres, j'ai remis. Il a regardé, il m'a encore demandé que tu dis que ton pasteur là se trouve où? J'ai dit en Kouaban. Il me dit que mais c'est loin. J'ai dit que docteur, tu es mon invité. Je vais m'occuper de vos frais de transport aller-retour. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Reprenez. J'aime le genre de témoignage. Je suis retourné chez le docteur avec qui le se deuxième. Souvient d'elle? C'était quel jour? Le dimanche. Dimanche passé, n'est-ce pas? Bon. Vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Et okay. Je suis retourné avec le deuxième échographie chez le docteur. Quand j'ai remis, il a vérifié, il a regardé, il m'a demandé les autres parce que c'était le quatrième. Oui. Il me dit, donne-moi les autres que j'avais d'abord. Tu avais d'abord fait avant, j'ai sorti, je lui ai donné. Il a regardé. Il me dit que... C'est où les échographies? Venez avec. Son docteur a défié Dieu. Il a dit que si Dieu l'a guéri, il va venir à l'église. Je lui ai dit, ah bon, hein? Ok. Il dit que si ça disparaît, les miens... Ok. Donne le dossier, on va mettre devant Dieu. Dimanche prochain. Avant dimanche, va voir ton docteur avec tes résultats. C'est pas ce qu'on a dit en public. Where is the doctor? Et quand il a regardé l'échographie, il me dit, tu dis que ton pasteur là où? Je dis en Kouaban. Il me dit, ouais, c'est loin. Je dis que docteur, vous êtes mon invité. Je veux m'occuper de vos frais de transport aller-retour. Ne vous inquiétez pas. Allons seulement. Il me dit que je vais aller. Il faut m'appeler. Samedi hier. Vers 17h, j'ai appelé. Il m'a dit qu'on va partir.
Mais il me dit qu'il a un malade qui doit opérer aujourd'hui. Il dit qu'il y a même vendredi, on peut toujours aller. Bon, maintenant, moi j'ai tenu ma part de Paris. Et il n'a pas tenu sa part. Et il m'a dit qu'il n'y a plus rien à faire, toi tu es guéri. J'ai dit que docteur, je reviens. Non. Non. Attendez. Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas. C'était une guerre docteur contre prophète. Le docteur lui dit, que si les myomes là disparaissent, je viens à l'église. Elle me dit ça. À moi, serviteur du Dieu vivant, du Dieu très haut. J'ai dit, ah bon, ok. D'accord. Donc le docteur dit que si on prie, Seigneur, gloire à toi au nom de Jésus. Lord, glory to you, Jesus. Merci parce que tu glorifies ton nom aux yeux du monde entier. Toute femme qui souffre de kystes, de myomes, de fibromes, soit délivrée au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'ai dit au docteur, je reviens pour la cinquième fois parce qu'il m'a dit que ce qui causait puis devait m'opérer, il y avait deux gros myomes et un petit. Et les deux sont partis avec la boule et ce n'est que le petit qui reste. Il n'y a plus quelque chose de grave. J'ai dit même que le petit là doit partir. C'est parti, c'est haut, c'est parti, c'est fini. L'opération a été annulée. Romains 10, verset 9. Ότι εάν ομολογήσεις το ρέμα εν το στομάτι σου, ότι κούριον Ιησούν καί πιστεύσεις εν τε καρδιά σου, ότι ο Θεός αυτον εγέρεν εκ νεκρών σωτήσε. Il dit, ότι εάν ομολογήσεις το ρέμα εν το στομάτι σου, si tu confesses, si tu homologues le rhéma dans ta bouche, je veux parler des deux sanctifications. Okay? Les deux sanctifications. Il y a deux catégories de sanctification. On a la sanctification spontanée, instantanée, et on a la sanctification progressive. On a combien de sanctifications? Deux sanctifications. La sanctification spontanée et progressive. Vous comprenez? La sanctification spontanée et la sanctification progressive. Maintenant, quand on dit sanctification, la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire la purification. Ça veut dire que c'est le processus qui te mène à l'état de sainteté. La sanctification, c'est le fait d'enlever de ta vie les souillures, d'enlever de ta vie les mauvais caractères, enlever de ta vie. Quand on dit que se sanctifier, c'est par rapport à ce qui est sale, ce qui est souillé. Maintenant, j'ai parlé de deux sanctifications. Il y a deux sanctifications. La sanctification instantanée. La sanctification instantanée, c'est quoi? C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, verset 9. En grec, il dit quelque chose. Le français dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Donc, l'impression que ça donne, c'est quoi? Seigneur Jésus, je te confesse. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc je suis sauvé. Non, le grec dit quelque chose que le français a omis. Le texte grec dit ceci. Oti eyan homologues to rema en to somatisu. Oti eyan homologues to rema en to somatisu. Si tu confesses, si tu proclames le rhéma en ton somatisu dans ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça vous comprenez? Il dit, oh, ayant homologues, ton rhéma en ton somatisu. L'apôtre Paul dit qu'il ne s'agit pas de dire Jésus-Christ est Seigneur, mais de confesser le rhéma
que Jésus-Christ est Seigneur. Or, le rhéma, c'est la parole que Dieu t'a donnée, la parole que tu as reçue de Dieu, la parole que personnellement tu as écoutée de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, cela doit être appuyé sur une révélation personnelle de la part de Dieu vis-à-vis de toi. C'est lorsque Dieu se révèle à toi, lorsque Dieu se manifeste à toi, c'est dans cette manifestation de Dieu que tu as l'autorité de dire Jésus-Christ est Seigneur par rapport à ce que tu as entendu et ce que tu as vu de Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tu aies d'abord reçu la révélation de Dieu. Il faut que Dieu soit venu à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, cette révélation, cette communion personnelle que tu as de Dieu, c'est en elle que tu as la révélation et la force de dire Jésus-Christ est Seigneur parce que tu l'as vu. Il t'a parlé. Vous comprenez? Donc pour que quelqu'un... Ça veut dire quoi? Paul dit ceci. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur si tu ne l'as pas vu. S'il ne s'est pas révélé à toi, s'il ne s'est pas manifesté. C'est lorsqu'il se manifeste, tu vois et tu remarques que c'est un Seigneur. Et là maintenant tu dis, ah, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tu l'as vu, il est Seigneur. Tu confesses ce que tu as vu. Tu confesses ce que tu as entendu. On ne confesse pas en l'air. On confesse la révélation personnelle qu'on a reçue de Christ. C'est là que tu es sauvé. Il dit, O eyan homologes en somatisu. Celui qui torema en somatisu. Celui qui confesse. Homologeo. Je vous explique ce que homologeo veut dire, n'est-ce pas? C'est comme une usine de transformation. Ça, ce n'est pas ça le but de ce matin. Donc, celui-là sera sauvé. La sanctification instantanée, c'est quoi? C'est un don de Dieu. C'est un joli cadeau de Dieu. Ceux qui profitent de cette sanctification, ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés. Je vous dis la vérité. Ils sont privilégiés.